Salut à tous, ça y est, bien arrivé en Nouvelle-Zélande. Donc là, on a été, enfin c'est notre première expérience en woofing. On est venu nous chercher à l'aéroport d'Auckland. Là, on est à peu près 1 heure de route d'Auckland au sud, dans une ferme d'alpaga. Je sais pas si vous allez les voir un petit peu derrière moi. Voilà. Et on vient de passer notre premier repas avec nos hôtes. Ça nous fait un peu bizarre. Déjà, on vient me chercher à l'aéroport. Ensuite, on arrive ici, on met les pieds sous la table. Enfin. On n'a pas l'habitude. Bon après, voilà, c'est. Enfin, pour ceux qui connaissent pas le woofing, du coup, c'est. En gros, on travaille dans les fermes. Et en échange de notre travail, ils nous logent et ils nous nourrissent. Donc voilà, le travail devrait commencer demain ou après-demain. Je sais pas exactement à quelle fréquence, quels jours seront nos jours de congé, etc. On verra. Et donc, notre travail, ça va être de. Tondre les alpagas notamment, et puis de s'occuper de la maison un peu autour, voilà, tout ce qu'il y a à faire. Mais ouais, ça, j'espère que ça se passera bien. En tout cas, nos hôtes ont l'air vraiment super sympas. Et donc, ils nous ont mis à disposition leur camping-car pour dormir. La maison est derrière. Là, il y a les alpagas, il y en a d'autres plus loin. Ici, c'est les mâles, les femelles sont séparées. Puis derrière, il y a la mer, il y a un accès à la plage. Ça y est, première vraie journée de woofing parce que jusqu'à présent il avait plu et quand il pleut on ne peut pas tondre les alpagas parce qu'ils sont mouillés. Et ouais, c'est plus compliqué que ce qu'il en a l'air en fait parce que bah, forcément les alpagas ils se laissent pas faire et donc il faut qu'on les amène déjà dans le bon enclos, et ensuite qu'on les attrape un par un, qu'on les mette sur une table, ensuite pour les tondre. Et ouais, bah, c'est difficile de les attraper en fait, c'est ça la partie la plus dure. Après, les tondre, c'est pas nous qui faisons. Donc, moi j'ai pas le rôle le plus compliqué physiquement parce que en gros, je dois leur injecter un produit, je sais pas ce que c'est, donc dans le cou avec une seringue et leur donner du lait à la bouche comme si, ils tétaient en fait. Donc, c'est pas difficile physiquement. Par contre, c'est vrai que j'aime pas trop mettre des seringues comme ça dans le cou. Je crois que c'est un peu le rôle du véto et les vétos ils sont pas trop aimés des animaux. Elle nous a expliqué et montré aussi comment on fait, enfin, comment elle fait la laine d'alpaga parce que chacun a sa méthode. Et donc pourquoi c'est plus cher déjà la laine d'alpaga? C'est parce que ça prend pas l'eau, c'est plus chaud que la laine de mouton, donc il y a besoin de moins de quantité. Et c'est hypoallergénique. C'est vrai que moi j'ai des problèmes d'allergie, je suis allergique à tout ce qui a des poils, et là avec les alpagas j'ai quasiment pas de soucis. Après, ce qui m'a surprise dès le premier soir quand on est arrivé, c'est qu'ils n'ont pas de table pour manger, ils mangent dans le canapé. Et là, il y avait leur fils qui était là pour le week-end. Et il n'y a pas des repas de famille comme chez nous, où même si le repas, il était, enfin, il y avait tout ce qu'il fallait, quoi. Elle avait fait 36 000 choses. Mais ouais, il y avait les parents d'un côté, les enfants de l'autre. Enfin, c'était pas tous rassemblés autour de la table et puis discuter, échanger. Non, là, c'est vraiment chacun mange quand il veut, il part quand il veut. C'est assez surprenant, je suis pas habituée à ça en France. À voir si c'est juste cette famille ou si c'est partout ailleurs en Nouvelle-Zélande. On verra après, pendant le voyage, comment ça va se passer. Mais ouais, aussi, ce qui m'a marqué, c'est que j'ai vachement de mal à les comprendre. J'avais déjà peur de l'accent australien, au final, ça a été. La plupart des gens, je les comprenais. Mais ici, par exemple, au lieu de dire, pour dire 10, c'est 10, là, ils disent teen. Ou pour dire la tête, head, ils disent head. Donc c'est un peu bizarre. Et il y a plein de trucs comme ça, ils parlent aussi assez vite. On a ramené ce bébé à la maison parce que on a essayé de le sauver hier, enfin de le faire venir à sa mère, mais sa mère n'est jamais venue. Et du coup là, ça fait peut-être 24 heures qu'il est né. Et on ne sait pas s'il va survivre. Yeah, I remember sharing the
Oui, ton père. Oh. You. It's not for you. Come on. Pour ceux qui sont intéressés par faire du woofing, il y a deux sites principaux, c'est Woofing et Helpix. Les deux sont à 20$ à peu près l'inscription. Et moi donc j'ai choisi Woofing et on peut faire un compte pour deux quand on est un couple, ça évite de payer deux fois l'inscription. Donc sur moi je vais vous parler essentiellement de Woofing puisque c'est le site que j'ai utilisé. Et donc je savais que j'allais atterrir à Auckland, donc je voulais les premières semaines où j'allais arriver en Nouvelle-Zélande ne pas trop m'éloigner pour pouvoir trouver une voiture, etc. Donc en fait sur la carte j'avais sélectionné les alentours d'Auckland et à partir de là j'avais cherché, j'avais envoyé je sais pas peut-être 8 ou 9 messages à des fermes pour me présenter. Dire que voilà je serai dispo 10 ou 15 jours et donc moi je m'y suis prise assez tôt parce que je savais qu'après j'allais partir donc en Australie, Nouvelle-Calédonie, donc je voulais pas avoir à faire des recherches de woofing à ce moment-là, donc je me suis prise je sais pas peut-être un mois et demi avant de partir. Et il y en a qui s'y prennent beaucoup plus tard, genre 2-3 jours avant, et ils trouvent quand même. Donc les deux solutions peuvent marcher, je pense. Vous pouvez regarder le profil des fermiers qui se proposent sur le site. Il y a, voilà, en général, ils se présentent, ils vont parler du boulot. Et on peut voir aussi les avis s'il y en a. On m'avait dit ouais c'est bien de choisir des personnes qui n'ont pas encore d'avis ou qui viennent de débuter sur Woofing parce que... Ils vont pas oser en demander trop ou faire parce qu'ils savent pas forcément comment ça se passe. Bon, au final, ça n'a pas été vraiment mon cas, j'en parlerai un peu plus tard. En woofing, donc on travaille dans des fermes, ça peut être très bien bah, avec des animaux ou alors tout ce qui est dans les plantations, enfin voilà, tout ce qui est en rapport avec les fermes. Et ça va être en général 4 à 6 heures de travail par jour, donc en gros des demi-journées pour laisser le temps ou faire après de profiter, de visiter un peu les alentours, etc. Après le problème du woofing, c'est que voilà, ça c'est ce qu'on dit sur le papier, mais c'est quand même assez la loterie en fait, parce que ben, on peut très bien tomber. Par exemple, moi j'ai rencontré quelqu'un qui était dans un woofing pour une semaine et qui avait simplement besoin de sortir les chiens et nourrir les alpagas qui étaient dans la ferme, donc il n'y en avait pas énormément, donc ça avait l'air plutôt sympa. Et nous en revanche, bon, je vais pas dire que ça s'est mal passé, mais en même temps j'avais quand même envie de partir au milieu du woofing. Parce que ouais, je m'attendais quand même pas à ça, on a été assez déçus au niveau de la quantité de travail. Donc en fait, ce que je vous conseille, c'est de bien déterminer avant de partir quels sont les horaires, quels sont les jours de congé pour pas être surpris. Parce que c'est vrai que donc moi j'avais demandé, elle m'avait dit que les journées de tombe des alpagas, puisque c'était ce qu'on faisait, c'est des journées complètes. Et qu'elle n'attendait pas à ce qu'on travaille tous les jours. Donc moi ce que j'avais compris de ça, c'était que ok, on fait des journées complètes et pas des demi-journées, mais du coup en contrepartie on a plus de jours de congé. Au final ça n'a pas été du tout le cas, parce que donc en moyenne je vais dire que par jour on devait être un bon 7h, 8h en comprenant les heures de trajet. Parce que voilà, on avait beaucoup de routes, à chaque fois il y avait plusieurs clients à voir chaque jour.
Donc bah voilà, on partait peut-être à 8h, on revenait, je sais pas, à 17h, ce genre de choses. Donc c'était quand même des journées assez complètes. Il y a eu des jours où on a travaillé un peu moins, genre des demi-journées, peut-être 4-5 heures. Mais il y a aussi eu des jours où c'était vraiment des grosses journées. On a travaillé 10 heures une fois. Et la dernière journée, le gros week-end qu'elle avait, c'était une journée de 12 heures. En gros, on s'est levé à 5h30 du mat. Le temps d'aller chez le client, de tout installer, les tables, le matériel, tout ça. On a commencé à travailler à 8h. Et on est rentré chez nous à 19h. Des vrais jours de congé, on en a eu deux en 15 jours et encore le deuxième jour de congé qu'on a eu, j'ai dû en fait négocier pour l'avoir parce que donc au départ comment ça s'est passé, c'est que on est arrivé du samedi soir, donc on a commencé à travailler du dimanche jusqu'au samedi suivant. On a eu notre dimanche en congé, on en a profité pour aller à Auckland et chercher une voiture. Et elle nous avait dit, voilà, peut-être que le lundi ce sera votre congé et le jeudi aussi de la semaine suivante. Donc là je me suis dit, bon bah c'est bien, on aura 3 jours, du coup ça nous fera du bien parce que du samedi et du dimanche, on avait un gros week-end en fait. C'était le week-end le plus chargé de sa carrière parce que on devait aller tondre 64 alpagas alors qu'en général on en faisait 7 par jour quoi. Et du coup je m'étais dit, bah voilà, avant le week-end on aura besoin d'un jour de congé parce que ça va être fatigant ce week-end. Et au final, bah le lundi on a travaillé chez elle et après elle commençait à nous dire, ah bah le jeudi aussi il y a un client. Et du coup on allait enchaîner en fait du lundi au dimanche complet sans aucun jour de congé. Et ouais, là j'avoue que j'ai eu une baisse de morale parce que... bah, je me voyais pas travailler 7 jours d'affilée comme ça sans repos, surtout pour un gros week-end qui nous attendait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé mes parents pour voir ce qu'ils en pensaient, parce que en fait avec les personnes chez qui on était, ça se passait très bien, ils étaient gentils, ils nous ont aidés pour quand on avait des questions pour les voitures, quand on cherchait les voitures, tout ça. Donc je voulais pas partir en mode comme des voleurs, on part la nuit, on s'en va et on les laisse en plan. Non, je voulais pas faire ça. Mais en même temps, c'est vrai que j'avais quand même l'impression de me faire un peu avoir quoi. Parce que travailler, faire des journées complètes sans jour de repos pour juste dormir et manger, ça me paraissait quand même une main d'œuvre assez peu chère pour elle. Mais au-delà du temps de travail, c'est aussi la méthode de travail dont j'étais pas toujours fan. Bah, par exemple, elle avait des lunettes et un espèce de cache-cou pour se protéger le nez, parce que donc le premier jour, on y est allé sans rien et en fait, tous les poils qui volent, c'est vraiment horrible. Et à la fin de la journée, on n'arrêtait pas d'éternuer, on avait les yeux qui piquaient et qui pleuraient. Du coup, heureusement, j'avais prévu le truc, mon père m'avait donné un masque et ça m'a bien servi, mais je comprends pas en fait qu'elle ne nous donne même pas de masque ou de lunettes de protection, parce que bah, à la fin de la journée, quand t'inhales ou tout ça par le nez ou dans les yeux, ça doit pas être très bon quoi. Donc mes parents m'ont conseillé de rester quand même parce que moi je voulais clairement partir, mais ils m'ont dit bon allez, il reste plus beaucoup de jours, donc j'ai pris sur moi, on a continué, on a fait notre job jusqu'au bout, on a fait les 64 alpagas alors que j'y croyais pas en 2 jours. Et puis bah voilà, maintenant ça vient d'être fini, je suis contente que ce soit derrière moi. Donc c'était quand même pas la meilleure expérience de woofing que j'ai eue. Malheureusement, j'ai pas envie de vous décourager à le faire parce que ça peut très bien se passer. Mais ça peut aussi moins bien se passer et c'est pour ça que je vous en parle. Parce que bah, moi ça a été mon cas et du coup ça m'a un peu refroidi. Je sais pas si là on refera encore du woofing. Mais pour rester sur une note positive, le woofing ça a permis quand même de rencontrer des Néo-Zélandais et ça c'était vraiment quelque chose que je voulais parce que voilà, quand on voyage on croise des gens mais on reste pas forcément en contact avec eux, alors que là pendant 2 semaines on vivait chez eux, on voyait vraiment leur mode de vie et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup en voyage.
Et puis en plus, là, de devoir aller tondre les alpagas chez les clients, ça nous a permis de visiter un peu la région, parce que du coup, chaque jour, on faisait peut-être une heure de route, et c'est des choses qu'on n'aurait pas vues en dehors de ça. Donc il y a quand même du bon, et au final, une fois que voilà, il y aura plusieurs jours de passé, ou plusieurs mois, je sais pas, on sera quand même content d'avoir fait, parce que ça nous laissera des souvenirs. Je veux dire, c'est pas tous les jours qu'on peut aller tondre des alpagas, hein, malgré tout. Donc voilà, si vous êtes prêt à prendre le risque que ça puisse mal se passer, ou vous dire que si ça se passe mal, de toute façon, il n'y a pas de contrat, hein, donc vous pouvez parfaitement partir. Allez, je vais vous laisser, et nous, on va reprendre notre trip, donc ce sera dans une prochaine vidéo. On va aller tout au nord de l'île du Nord, voilà. Donc si ça vous intéresse, je vous dis à bientôt.